kültürel değişimde kültürel mücadeleler şey Adaman Kurucu Kongre Lajeunesse est au maillot du Congrès. Donc, la jeunesse organise leur manifestation avant le Congrès qui doit se dérouler du 12, 13, 14 mai prochain. Et Khalil est invité, Zik FM est invité. Inch'Allah. Quel sera le thème justement de cette activité? Le thème de cette année, c'est le Congrès face aux enjeux du développement local. Il s'agira justement d'axer le point sur les problèmes qui assaillent un peu le village de Kabylie. Quels sont ces problèmes? Il y en a trop. Chaque année, on anime des projets et on exécute cas par cas. Donc cette année, nous voulons aussi faire un rappel à la jeunesse du parcours du Congrès par rapport au développement du village. Parce que la jeunesse maintenant s'active à vouloir connaître le Congrès. Donc on veut leur faire l'histoire, l'historique du Congrès par rapport au développement local du village. Bon, beaucoup ignorent qu'est-ce que le Congrès fait, mais ils ont vu bien le parcours. Pourquoi ces projets ont pu être exécutés. Avec quels moyens et quelles démarches. Donc c'est ce que nous voulons faire connaître à la jeunesse du village. Actuellement, aujourd'hui, Kabylie, tout projet qui entre, c'est par le canal du Congrès de Kabylie. Le local jusqu'au gouvernement. Et qu'est-ce que ça fait, le fait que Kabylie soit un exemple justement d'organisation dans la casamance naturelle? Bon, nous avons initié ce congrès depuis 1974 à nos jours. Parce que quand on avait démarré ce congrès, avec les autres villages aussi qui ont démarré, et certains ont dit que vous ne pouvez pas réussir. Mais Dieu merci, les autres congrès se sont tués, mais le nôtre, jusqu'à nos jours, marche à grand pont. Donc nous remercions vraiment Dieu cette lancée-là. Ça serait une occasion également d'appeler pour l'unité de Kabylie. L'unité, la paix et surtout le développement du village. L'union fait la force. Et nous sommes inspirés de l'âge d'un président américain qui dit que tout jeune, tout citoyen ne doit pas se demander qu'est-ce que le village peut faire pour moi, mais il faut se demander qu'est-ce que tu peux faire pour le village. Donc c'est dans ce que nous sommes inspirés pour développer le village de Kabylie. Votre dernier mot? Bon, je remercie Zik FM, je remercie aussi la jeunesse d'organiser cette troisième édition qui est en avant-goût du congrès. Et je leur souhaite un bon retour de Gambie, de Ziguinchor, de Dakar, de Kaolack, particulièrement ceux qui sont du village, qu'ils continuent à s'organiser pour la réussite du village. Parce qu'ils sont jeunes, ce sont les vieux de demain.